Rentre, t'es chez toi. Donc là, on est dans le cloître, très propre, un peu Chelsea-New York. Ouais, Chelsea-New York à Saint-Germain-des-Prés. L'idée du cloître, c'était une des premières choses qui t'est venue assez rapidement, je crois. La première vision, en fait, c'était assez, quand j'ai visité ça avec toi, c'était un méandre labyrinthique, ouais. C'était des dépôts de livres. Pierre, ce qui est assez beau, je te revois parler du cloître, je te revois parler de l'escalier que tu as en fait galbé, en tout cas... Recouvert. Ouais, une sorte de membrane ouais. Comme ça qui vient à quelque chose de, qui est de l'ordre de... on ne sait pas où. C'est assez inattendu pour une galerie à Paris, avec cette enfilade de fenêtres qu'on a recréée. C'est un espace qui est très minimal, très sobre, et je pense que c'est un très joli terrain de jeu pour les artistes. J'aime bien cette surface d'exposition, et j'aime bien cette seconde surface en fait, qui répond, et en fait, elle n'est pas fermée, elle répond. Et elle emmène les gens dans quelque chose de très, très, très intéressant. Donc c'est oui, il y a un jeu de volume, il y a un grand volume, des petits volumes. C'est toujours intéressant dans l'architecture, justement, de jouer avec les tailles, les volumes et les espaces. C'est très, très beau, la ligne de fuite comme ça. Hein. Puis même la ponctuation, tu vois, c'est juste un petit lumière zénithale. Je trouve que ça suffit pour ponctuer le couloir. Là, c'est entre le béton et le granito. Ouais. Ça me rappelle, encore une fois, au côté moderniste des villas Cabrois, ouais. Miley Stevens et tout. Donc, c'est un côté brut, minéral, très mat, ouais. Minéral. Et ça, sur les œuvres, ça va être super, ça. Ouais. Joli, c'est d'aller dans la cour, non ça correspond aussi à ton cheminement, peut-être d'artiste, tu vois. Ouais. Quand tu as envie de faire quelque chose, ouais. Tu rentres de l'extérieur, tu es dans la ville, tu es dans Paris, et puis tu rentres dans quelque chose qui est plus intime. On est en fait une courroie pour les artistes pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est ce qui est très important, je crois. Pour Buren, pour Parreno, lundi, on va ouvrir ouais. Cette exposition. J'ai hâte de voir. Alors, ils vont modifier fortement la galerie. Tout